Le travail concerne l'hôpital pédiatrique de Muiro. Ce travail a été dirigé par le chef de travaux, Bakakabou Chamalé. La parole est donc donnée à M. Moubon pour un exposé synthétique. Vous avez la parole, M. Moubon. Merci pour la parole. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, à vos titres respectifs, distingués invités, chers camarades, bonjour. Nous sommes devant vous pour vous présenter les travaux de mémoire portant sur les facteurs favorisant les séjours prolongés des enfants de moins de 5 ans dans l'hôpital pédiatrique de Muiro. Présenté par Moukoum et par Richard Henry, dirigé par le chef des travaux, Mbakakabou Jean-Marie. De l'insuffisance d'un ou plusieurs nutriments essentiels dans l'alimentation, ou à l'inverse, d'un excès de certains types d'aliments. Selon l'OMS, une étude menée dans les pays en voie de développement montre que l'hépatite est l'une des maladies qui est associée. Séjour prolongé dans les services intensifs chez les enfants de moins de 5 ans souffrant de la malnutrition par le fait que l'hépatite occupe une place importante parmi les maladies infectieuses incriminées dans la survenue de la malnutrition chez les enfants africains. Nous avons dit que pour les sujets similaires, c'est comme objectif global de contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans dans l'hôpital pédiatrique de Muiro grâce à une prise en charge correcte des enfants de moins de 5 ans dans l'INTI. Comme objectif spécifique, déterminer la fréquence de la survenue des maladies infectieuses ou parasitaires, évaluer la qualité d'intervention nutritionnelle menée dans l'hôpital pédiatrique de Muiro, identifier les facteurs des risques en vue de proposer des actions de prévention et d'améliorer la prise en charge nutritionnelle dans ces services. Les enfants internés dans les services de l'INTI développeraient d'autres maladies au-delà de la malnutrition. La qualité d'intervention nutritionnelle serait mauvaise. Les enfants hospitalisés seraient exposés à d'autres pathologies sanitaires. Et comme matériel et méthode, collecte de données. Analyse des données. Nous avons fait recours à l'analyse documentaire car notre étude est rétrospective, notamment les fiches d'hospitalisation des enfants de moins de 5 ans malnutris. Pendant la saisie et l'impression de ce travail, nous avons utilisé les logiciels Volt, Excel et PMFO pour l'analyse et le traitement des données, les stylos et papiers pour comparer les variables. Nous avons fait recours au test qui carré au C de 0,05. Les enfants mal nourris sont âgés de 24 à 36 mois. Plus de la moitié d'entre eux sont de sexe masculin. La grande majorité a des œdèmes. Leur type de malnutrition est l'équation et leur séjour à l'INTI est prolongé. La plupart des cas de malnutrition ont été associés aux diarrhées, déshydratation, d'où la première hypothèse de ce travail a été affirmée. Ont été admis dans la phase de transition. Le traitement a été fait à 100% par les pampinates, altérés avec Epsom, les estro, amoxy, vitamine A, sont les médicaments les plus prescrits. Les F75 plus pamplinate ont été associés comme aliment thérapeutique. La grande majorité des cas sont sortis traités avec succès. Ces résultats viennent ensuite affirmer la deuxième hypothèse de notre travail. Il y a une association significative prolongée à l'INTI, pi valide inférieur à 0,05. Prolongée des enfants malnutris dans les services de soins intensifs a été favorisé par les cas de malnutrition qui ont été associés
aux diarrhées, déshydratation, il y a une signification entre l'œdème et le séjour prolongé à l'INTI, puis valide inférieur à 0,05. Recommandation aux autorités sanitaires. Recruter et former les agents dans la prise en charge de la malnutrition. Au personnel de santé, peser et mesurer systématiquement les normes de tous les enfants de 0 à 5 ans qui viennent en consultation. Réduisez la population, référez le plus tôt possible les cas d'exception et les cas de malnutrition. Messieurs les membres du jury, chers parents, camarades étudiants, je dis et je vous remercie. Comme tous les autres, c'est un travail très intéressant. Mais avant la méthodologie, je suis perdu. Je ne comprends rien. Si le récipiendaire peut expliquer à l'Assemblée comment... Et puis quand je lis critères d'inclusion, être en... Pour votre intervention, c'est un Mitouga aussi, petit souci. Monsieur le président du jury, pour la parole. En effet, je n'ai pas une question, mais juste une observation ou une proposition. Les respondants ont parlé du séjour prolongé à l'UNTI et comme objectif général, il dit contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans suivis à l'hôpital. Ma proposition est celle-ci, de vous fixer comme objectif général de contribuer à l'amélioration de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère afin de réduire les séjours prolongés à l'UNTI. Parce que votre objectif là-bas, c'est un objectif de la santé publique, mais ici nous sommes en clinique. Merci. Je vous demande d'abord si vous avez écouté attentivement. Oui, j'ai bien écouté attentivement. Vous pouvez reprendre sa proposition. Bien sûr. Reprenez ça. Il vient de contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans à l'INTI. Et il vient de dire que cet objectif n'est pas pour notre domaine de la section, notre domaine de nutrition. C'est un objectif qui peut être pour les gens de la santé publique. Vous pouvez toujours les consulter pour qu'ils vous donnent la bonne formulation. Alors, on peut résister, qui ont été plusieurs fois corrigés. Est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi cette réticence aux remarques? Il y avait la première question ici, expliquer la méthodologie du travail. C'est ça la première question. Bon. Notre étude est du type rétrospective. Pardon? C'est pour ce fils que nous avions. Vous cherchez pendant votre période de l'école de l'histoire sur le fils des malades. Et maintenant, sur ces fiches-là, figuraient les différentes instructions que les soignants écrivaient sur ces fiches-là. C'est-à-dire que notre échantillonnage était exhaustif ou systématique, parce qu'on prenait la totalité de ces enfants-là qui ont fait les séjours prolongés et les enfants qui n'ont pas fait les séjours prolongés dans l'une des. Et je pense que les facteurs de risque à partir hypoglycémique étaient en quoi ce sont les facteurs de risque d'un séjour prolongé, expliquez-nous. Oui, parce que pour les enfants, pour les paquilotermes et les enfants malnutris,
s'ils font l'hypoglycémie, c'est un facteur à risque dans l'INTI pour les enfants malnutris. De l'essai immédiat ou de séjour prolongé? Pardon? C'est un facteur de risque de décès immédiat ou de séjour prolongé? C'est un facteur de décès immédiat. S'il fait l'hypoglycémie. D'accord. Oui. Continue. Et aussi, et pour les œdèmes. À partir, explique-moi. Comment c'est un facteur de risque? D'abord, à partir, c'est quoi? De l'enfant avec sa mère. Dans l'apathie. Oui. Alors, en fait, c'est les enfants qui présentent de façon comme les parents. Ce sont les enfants les plus affectés par la fatigue. Ce sont les enfants qui font les marasmes ou les cochons. Nous avons trouvé que c'est les enfants qui présentent les types de maladies qui sont là. Parce que quand l'enfant fait l'hypoglycémie, c'est-à-dire, il ne présente pas. L'enfant fait, on constate que l'enfant est hypoglycémie. On corrige la glycémie. Continue, madame. Il était associé. C'était un facteur aussi qui était associé. Les dèmes peuvent persister pour les enfants qui présentaient les types de malnutrition là, les pochorco. En cas si le traitement n'est pas bien établi, le traitement n'est pas efficace. Les dèmes, c'est le problème. Parce que si un enfant présente les dèmes, c'est un problème déjà. Et la cause, quel est le problème? C'est d'abord la cause. C'est ça qui demande. La cause, c'est la cause qui est le problème. D'accord. Dans cette situation, traitement et édème, quel est l'effet, quelle est la cause? Entre les traitements et édème, la cause d'abord c'est le traitement. Oui, c'est le traitement. Votre parcours scolaire. À propos d'aujourd'hui, quel est un mot que tu peux lancer pour montrer la joie de votre défense de fin de cycle dans les sciences nutritionnelles? Merci beaucoup pour la parole. Le message que je vais envoyer à toute la communauté, avant tout, je remercie d'abord le Bundier parce que dès le début, il m'a donné l'effort et le consentement pour que je sois à ce que je sois aujourd'hui. Je remercie aussi le bon Dieu de me donner le courage et la force d'arriver au jour d'aujourd'hui pour soutenir et défendre mon travail de fait de cycle de licence en nutrition et diététique à l'Istin Bukavu. Ok, concernant les conseils. Bon, les conseils que je vais donner à nos petites sœurs et à nos petits frères, de les encourager seulement. Il ne faut pas prendre les études. Il faut prendre les études avec le sérieux. Parce que avec les études, on peut y aller ailleurs. C'est okay. Ça le message que j'ai dit. Ok, je vous remercie. Je dis merci. Merci beaucoup, je vous remercie.